Bonjour! Aujourd'hui, on fait la morning routine de Selena Gomez! Vous savez que je pensais que je l'avais faite, cette vidéo. J'ai dû regarder sur ma chaîne YouTube et je me suis dit, mais... En fait, non, je l'ai pas faite. J'aime trop Selena Gomez. En plus, je l'aimais déjà beaucoup, mais je l'aime de plus en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais elle est présente de ouf sur les réseaux sociaux en ce moment. Et je sais pas, je l'aime trop, genre... Oh, je suis fatiguée, là, attendez. Je fais une pause. Non, en vrai, j'ai trop bien dormi parce que j'ai trouvé un horaire qui me convenait très très bien sur internet. Apparemment, elle se réveille une heure avant ce qu'elle a à faire. J'ai trouvé l'horaire 8h30. J'avoue, j'ai pas cherché plus loin, j'avais très peur de tomber sur autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait au réveil? Direct, pour sa santé. Elle boit de l'eau, comme moi. Et on va se lever parce que bon, on a affaire à quand même quelqu'un qui a extrêmement bien réussi dans sa vie, donc je suppose qu'elle reste pas au lit. Qu'elle se bouge. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Et je l'aime encore plus. Manger. Ah, j'adore ce programme. Là, on va voir qui sont les vrais de vrais. Qui se souvient de cette vidéo où on voit Selena Gomez en train de boire un ginger shot? Mon dieu, mais cette vidéo, toute ma vie, c'est déjà cette vidéo qui m'a fait découvrir ce que c'était du ginger shot. Je vais regarder quand est-ce qu'elle est sortie. Elle est sortie en 2016, j'avais 15 ans. Même le... Ceux qui savent, ils savent. Bref, elle dit qu'elle adore les ginger shots, que c'est très bon pour la santé et qu'en fait, elle adore le goût du gingembre. Donc, évidemment, j'en ai acheté. On a la version ananas gingembre curcuma ou passion gingembre acérola. Je vais prendre passion. Et c'est hyper bizarre, ces shots. Il y a un truc, genre ça te détruit de l'intérieur, mais c'est super bon. Je sais pas, ça fait trop du bien. Ça me brûle, mais ça fait du bien. Pour son petit déj, alors là je suis extrêmement curieuse parce que elle se fait un breakfast burrito très américain, mais une version un petit peu plus saine que ce qui se fait en général. Donc j'ai acheté les ingrédients parce que j'ai littéralement sa recette. Et aussi elle se fait un thé au lieu d'un café parce que c'est un petit peu plus sain. Donc je suis de cette team aussi, je déteste le café. Voilà les ingrédients pour faire le burrito. J'ai pris ça, je sais pas si... Je sais même pas comment je vais faire, j'ai jamais fait ce truc. Nous avons des wraps, du riz, des haricots rouges, du chorizo. J'adore, incroyable. Et il faut qu'on fasse des petits œufs brouillés avec. Ah mais il faut que je fasse cuire du riz. Faut être déter le matin pour faire ça. Ça y est, c'est prêt. J'ai trop envie de mettre du gruyère, mais c'est pas dans sa recette, mais venez, je mets du gruyère quand même. Ça va être trop bon. Un tout petit peu. On va mettre le riz, les œufs, les petits haricots rouges. Ça me dégoûte un peu. Ça ressemble à rien comme prévu. Et un peu de chorizo grillé. Oh, comment je vais plier ce truc? Il faut que je regarde un tuto. On plie le bas, les côtés, tac tac. Mais je vais aller là où je vais manger, sinon je vais en mettre partout. Avec mon thé. Je l'ai pas oublié. Hein. Alors, je me prépare. Vous voyez ce que je vois là? C'est incroyable, j'ai trop géré. En vrai, c'est bon, hein? Regarde-le. Sans les haricots rouges et avec plus de fromage, ce serait super bon. Heureusement qu'il y a du chorizo, c'est tellement incroyable là-dedans. Par contre, c'est super lourd le matin, moi. Si je mange ça tous les matins, j'irai dormir après. Mmh. En vrai, je devrais grave m'en faire pour des repas. Donnez-moi vos recettes en commentaire pour ceux qui font ça. Genre, qu'est-ce que vous mettez dedans pour un repas, genre le soir et tout. J'en peux plus par contre. J'ai mis beaucoup trop de riz. J'ai envie de gâcher, mais là, franchement, c'est beaucoup trop. Après, là, je pourrais plus bouger, hein. Mais c'est grave bon, je suis choquée. J'ai découvert une nouvelle recette, j'aime bien. Que j'ai pas raté en plus, alors ça. Juste par contre, je vais bien manger le chorizo. Bon, la prochaine étape se passe dans ma salle de bain. Vous allez voir, on va pas se préparer tout de suite, on va juste... Vous allez voir. Selena, elle ne fait plus vraiment de sport actuellement. Ça m'arrangeait bien. Étant donné qu'on sait qu'elle est à fond dans la santé mentale et que c'est très important pour elle de prendre soin d'elle, elle aime bien faire un peu de journaling, etc. Faire des balades, aller prendre l'air. C'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, elle fait sa petite skincare routine. Et d'ailleurs, elle a fait un TikTok où elle montre un peu les étapes de ce qu'elle fait. Donc du coup, on va faire exactement la même chose. D'abord, elle se met un petit peu de spray sur le visage. Oula, c'est agressif. Mais ce que je comprends pas trop, c'est qu'elle se lave le visage direct après. Donc je sais pas trop si ça a le temps de faire effet, mais on va se laver le visage. Ah non, je vais me laver les mains d'abord parce que mes mains pleines de chorizo. Ah non, je vais me brosser les dents. J'ai vu un dermatologue une fois sur TikTok qui a dit qu'il fallait toujours se laver les dents avant de faire sa skincare routine, du coup. Ça me stresse!
Ensuite, elle se met des petits patchs sur les yeux, mais ça j'adore. Ça c'est très célébrité. Et vous savez que c'est incroyable, genre vraiment moi j'adore. Je me sens comme Selena Gomez. Maintenant j'attends. Two very boring minutes later. On retire nos petits masques. Et c'est l'heure de la crème. Et là, il se passe des choses. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Lancôme. J'ai même pas besoin de vous expliquer, déjà, je vous en ai déjà parlé. Mais je pense que vous l'avez pas loupé. Elle est partout en ce moment sur les réseaux. C'est la crème Rénergy HPN aux 300 peptides. Incroyable. Sincèrement, incroyable. Il y a plein de crèmes hydratantes qui existent. Moi, j'aime beaucoup. Plus il y a d'hydratation, plus j'aime. Mais celle-ci, je trouve qu'elle sort vraiment du lot. Bon, déjà, elle a 300 peptides. Ça n'a jamais été fait. Ça n'existe pas une crème à part celle-ci avec 300 peptides dedans. J'en suis quasi la moitié. D'ailleurs, c'est rechargé. Info importante, c'est pas trop gras, c'est pas trop fin, ça hydrate vraiment bien la peau. J'aime autant l'appliquer avant de maquiller ou alors parfois même avant de me coucher. Et vraiment, j'en avais parlé sur Instagram et elle me fait un glow de malade, mais un glow qui reste, vous voyez ce que je veux dire. J'aime trop, vraiment il y a un truc avec l'application, la texture elle est trop spéciale, c'est un énorme coup de cœur. Alors à la base elle est faite quand même, parce que là je vous parle de moi machin, mais elle est faite pour hydrater, nourrir. Elle a un effet aussi anti-rides et anti-tache, ça c'est trop bien. En plus, c'est hyper rare, enfin, ça m'était jamais arrivé avant que Lancôme me donne un code promo. Mais il y a un code promo. Avec le code HPN, vous pouvez avoir la crème 5ml HPN, du coup, offerte avec votre commande. Donc je suis trop contente. J'adore. De toute façon, là, on va sortir, faire notre petite balade, vous allez voir le glow. Merci Lancôme. J'ai mis ma tenue de sport, que j'aime beaucoup. Sauf que je suis gênée. Je trouve ça grave sexy. Je sais pas quoi en penser en fait, je trouve que c'est bien, genre je me sens trop bien dedans, chez moi, tac tac tac. Mais par contre là, sortir comme ça, j'ai peur, je suis timide en fait. Je vais essayer de faire en sorte que cette promenade dure au moins 10 minutes. J'en suis à ce niveau de gêne, enfin de gêne, si c'était seulement le problème. Quand je dis ça, on dirait que vraiment je sors jamais de chez moi, on n'abuse pas. Mais je sors de chez moi par obligation, par rendez-vous, par tout ça. Sortir chez moi pour prendre l'air, avant ça arrivait, maintenant ça arrive plus. J'espère qu'on casse qu'il a de la batterie. Vous voyez comment ça, comment je suis là, quand je sors. Je suis une horrible personne, ça y est, je suis en train de devenir une horrible personne. Est-ce qu'il serait malheur de vous montrer mes nouvelles lunettes de soleil? Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais soyez gentils parce que bah ça coûte de l'argent quoi, et j'aurais le seum si vous me dites qu'elles me vont mal. Vous aimez bien ou pas? Bon, évidemment, impossible de sortir comme ça, parce que là, on dirait que je vis pour les caméras. Je déteste cette expression. Mais là, on dirait quand même que je vis pour les caméras. Mais elles sont belles, hein? Vous aimez bien? Je trouve pas mon casque. Ah, il est là. Oh non, bah, il a pas de batterie, je suis sûre. Il a pas fait le bruit. On va attendre un peu qu'il charge, ok? Après, on y va. J'ai oublié une information très importante. C'est pas parce qu'il y a du soleil qu'il fait chaud. On va essayer de profiter de notre petite balade. À peu près 3 secondes. Non, ça m'a fait du bien de sortir un peu, même si c'était pas hyper longtemps. J'allais me doucher. Il va falloir se préparer là. Un peu de make-up, Selena Gomez. Le make-up, alors c'est quelque chose. En plus, j'ai un concert ce soir. Donc, on va essayer de faire un look de Selena Gomez un peu stylé. Ok, on va se faire un petit look liner, paillettes et compagnie. Faut que j'aille chercher de l'eau. J'ai un problème quand j'ai pas un verre d'eau quand je me prépare. Puis en plus, j'ai oublié, Selena Gomez elle boit beaucoup. J'arrive. Ok, je vais essayer de faire un truc rapide parce que j'ai pas énormément de temps en vrai. J'ai trop traîné là. Un petit peu de fond de teint. Je vais faire vite fait le teint parce que bon, vous m'avez vu faire 150 fois. On va mettre des petites paillettes avant de faire le liner sur les yeux. Ce que je fais, c'est très glamour. Je prends mes paillettes sur mon doigt. Un petit papier de papier toilette. Et je protège comme ça mon dessous de l'œil. Alors je vais poser un miroir à côté parce que sinon je vais faire des grosses bêtises. J'ai fait de la... Et là je n'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai pas le temps de trop corriger tout ça. Je m'applique pas quand c'est sur moi, ça m'énerve. J'ai des paillettes partout. Maintenant, c'est l'heure du liner. Le moment où là, par contre, pas d'erreur. Je vous le dis direct, c'est mort. D'ailleurs, je crois que je vais aller le faire là-bas pour avoir un miroir en face. Recourbage de cils. Je suis trop deg. Normalement, je mets du crayon genre dans la muqueuse, mais je trouve pas mon crayon marron. Il a disparu. La différence, mascara vs no mascara. C'est pas pareil. Un petit peu de blush. Un peu de rouge à lèvres. Je voulais pas du tout ça.
Oh, en fait, ça rend bien. Tada! C'est fini. Attendez, je me dépêche là. La dernière étape de cette morning routine, après on va devoir se quitter, c'est de trouver une tenue. Alors, Selena Gomez, elle est plus dans le confort que dans le... Vous m'avez compris? Donc on va juste trouver une petite tenue confortable. Un petit jean, un petit t-shirt, un petit, je sais pas, une veste, un petit blazer. Et on sera très bien. Ah bah voilà, mon jean préféré. Ma version de la tenue confortable de Selena Gomez. Tada! Une tenue toute simple qu'on peut... Attendez, regardez, je suis styliste là. Comme dirait Reda, on peut mélanger le noir et le bleu. Une tenue décontractée. Bah là c'est pas mal hein. Ah j'aime bien. Là tout de suite, je suis Selena Gomez. Je vais arrêter d'être gênante. Bon, voilà pour cette vidéo. J'ai grave aimé la morning routine. Franchement, c'était détente. J'ai bien aimé, hein. Regardez, le résultat du make-up avec un peu de lumière. J'aime trop. Moi, je vais aller à mon concert. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Encore merci pour les 400 000. Ça avance de plus en plus. Maintenant, c'est la route vers les 500 000. Je suis choquée là. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je poste plein de trucs là-bas, c'est très très cool. En plus, pour les 400 000, je vous fais gagner un sac. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.